you speak English? Little. Little bit. Ça tombe bien parce que moi non. Tu es réfugié de la Russie, ok. Tu n'as nulle part où dormir. Tu n'as nulle part où dormir, ok, d'accord. A man won't sleep you. I have a sleeping for you. Ok. Ok. And I'd like to help you for sleep in the house. Oh, yes. Yes. Good. It's good. Yeah. Okay. Have you number phone number, please? Niveau 5e en anglais, on s'en est bien sorti quand même, hein. Pas mal. Il y a que des sans-abri dans la rue limite. Il y a plus de gens, hormis une dame qui donnait un petit peu, mais ça doit être super chaud pour eux parce qu'au quotidien, ils doivent se sentir totalement exclus. Donc on va essayer de faire un petit tour, voir si on en trouve plusieurs quand même pour faire une action collective. Au moins, autant faire une carte de coups. Attention la petite caisse là, fais attention à toi. Et on va essayer de retrouver les sans-abri qu'on avait vu, se rappeler, quand on avait fait la session de pétanque. Super après-midi, bien ouais. Passé, superbe partie, bon, il y avait du bon potentiel, c'était bien. Bon, nickel. Et du bien coup, écrit, aussi fallait. Pour la bonne cause, quoi. Bien sûr, toujours. Ouais, 10 euros, pour moi, c'est que dalle, et puis ouais, ça peut aider quelqu'un. Ouais, par c'est contre, ça. Toi, tu peux nous voir quand tu fais les sauts au SDF, parce que si on te voit manger à Palmeray ce soir. Ah ben, on a bien joué quand même, Pascal, mais bon, une prochaine, on gagnera la partie. Donc ça nous fait un total de 80 euros, c'est-à-dire 10 euros par joueur. Donc au final, on va la distribuer ça. Le mec, il va kiffer pour la bonne année. Tu mets 80 euros, c'est l'équivalent d'une semaine de quête. Deux semaines de quête. Oh, pas pour le vin. Ah, jamais, jamais, pour manger. C'est parti. C'est ça. Voulez-vous c'était une bonne année? En fait, on a fait une pétanque solidaire. On a cotisé pour des gens qui étaient en difficulté. Et du coup, voilà, on a 80 euros pour tous les deux, quoi. Ouais, c'est cool. On sait quoi, les gars? Ouais. On va payer une putain de... Vous pouvez nous filmer. On peut nous filmer, franchement. Allez, ouais, c'est parti. Merci pour la nuit d'hôtel. Bienvenue d'hôtel, là, pardon, les gars. Pardon, c'est un plaisir. Je peux vous embrasser? Vas-y, vas-y. Bonne année, les gars. Bonne année. Bonne année. Merci la famille, ouais, t'as passé sur quoi? Sur YouTube? Sur YouTube. Ouais, voilà. Les youtubeurs. C'est pas grave, ça fait plaisir. Mais faut, tu vois, c'est bien. Il faut y croire encore, il y a des sports aussi, tu vois, c'est important. On va voir si on les trouve ici. Ou pas. Est-ce qu'ils sont confinés ou pas? Est-ce qu'ils sont à l'extérieur ou pas? J'en sais rien. Apparemment, il n'y a personne. Il y a des gars, encore une fois. Il y a des gars dans la rue, de toute façon. C'est clair. Bon. Je crois qu'on va déjà essayer d'aider cette personne-là avant d'aider les autres personnes. Ce sera déjà plus simple. Et on verra pour la suite des événements. Exactement, exactement. Et puis c'est vrai que les gens, quand ils voient quelqu'un dehors, généralement, c'est plus facile de tourner le dos que de tendre la main. Hein. Ah ben déjà, quelqu'un dehors, mais quelqu'un dehors en période de COVID, oui. En période de coronavirus, c'est d'autant plus difficile. Mais bon, il y a des personnes qui pensent aux autres avant de penser à soi, quoi. Ouais, c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup, mais non. Je pense que j'en fais partie. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que c'est vraiment génial, parce que du coup, c'est vraiment un élan de solidarité énorme que vous faites, et je trouve que c'est génial mais ce qu'on a fait. Monde, mais ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'arrête pas de dire. Si tout le monde faisait attention à tout le monde, il n'y aurait pas ce genre de problème-là. Ouais. Je vous envoie mon adresse. Oui, voilà, vous m'envoyez votre adresse, et ensuite, je lui transmets toutes les informations nécessaires, et il débarque chez vous incessamment sous peu. Je vais quand même avoir une conversation avec lui, en tout cas essayer d'avoir une conversation avec lui
pour justement bien l'orienter. Pas de soucis. Ah super. Et je vous envoie ça. Et vous me l'enverrez par mail, je vous enverrai mon mail. Voilà. Ok. Après on le mettra en témoignage sur le site Héberge un SDF. Voilà, ça va peut-être faire motiver les gens un petit peu quoi. Ah mais c'est clair, c'est toujours comme ça. C'est, vous savez, au début, ce concept, on me disait que c'était quelque chose de fou. Et quand j'ai vu le nombre de candidatures qui étaient affichées sur le site, je me suis dit waouh, mais en fait, c'est génial parce que voilà. Ça commence à rentrer un peu dans les mœurs, quoi. Il fallait juste y penser, et puis voilà. C'est ça, c'est ça. En fait, à l'origine, quand je me suis renseigné, je voulais prendre une petite mamie parce que je vais être soignante, moi. Ah, vous êtes soignante aussi, excellent, ouais, d'accord. Ouais, je suis soignante. Et en fait, je voulais prendre une petite mamie. Puis après, je me suis dit, ouais, avec mon travail et tout, bah, je travaillais encore. Et du coup, je me suis dit, non, ça va être possible. Il faut que je prenne quelqu'un qui n'aura pas besoin, justement, de quelqu'un à la maison pour s'occuper d'elle, quoi. Ouais. J'ai trouvé votre site. Excellent. Je me suis dit, allez, je m'en suis. On verra bien. Ouais, c'est une excellente initiative. La preuve en est, ça a fonctionné. Hein, donc, c'est cool. Ouais, super. Ah, c'est génial, c'est génial. Ben, franchement, je suis super content. C'est un bel élan de solidarité pendant cette période. Et ben, on va suivre l'aventure de près. Et puis moi, je vous contacte incessamment sous peu. Et lui, vous enverra un message. Ok ? Ok, ben là, je vous envoie mon adresse. Allez, c'est parfait. Merci, Carole. Oui, c'est tout. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Faites attention à vous. Oui, toujours. Prenez soin de vous aussi. Merci, Carole. C'est clair. Au revoir. Au revoir. Alors je vais vous dire un truc, cette vidéo elle est juste extraordinaire, et encore je pèse mes mots, extraordinaire de par cette personne qui propose d'héberger pendant cette période de confinement un sans-abri qui lui-même est en galère, quitte à prendre le risque peut-être, et on aurait fait certainement les tests au préalable, mais quitte à prendre le risque aussi d'être contaminé. Est-ce que vous imaginez la puissance de ce geste solidaire? Je veux dire, ça n'a pas de prix, c'est quelque chose qui vient du cœur, mais fondamentalement, profondément. Et cette personne aujourd'hui, ce qui s'est passé, et avec toute authenticité, c'est qu'en fait, Altabek n'est pas chez cette personne. Il est parti à Nice, entre-temps, dans son instinct de survie, parce qu'il a senti qu'il fallait partir là-bas. J'ai pas eu plus de nouvelles depuis, et du coup, j'ai pas pu les mettre en relation, et la transaction, entre guillemets, humanitaire n'a pas pu aboutir. Mais ce que je vois là-dedans, c'est ce geste solidaire et que se dire que maintenant on est capable de faire des choses juste formidables à partir de l'être humain et non pas à partir d'un système qui lui-même ne bouge pas. Cette personne a décidé d'héberger une personne sans abri à la maison et ça de par le site Héberge un SDF. Est-ce que vous vous rendez compte de cette puissance qu'on peut avoir justement avec un outil informatique par la médiatisation qui nous permet de toucher des milliers de gens et que des milliers de gens se mobilisent pour héberger des milliers de gens à la maison? Et au début, c'est des milliers, parce que mon concept est nouveau, mais qui vous dit que dans 50, je sais pas, dans 100 ans, le temps que les choses bougent et avancent, peut-être un siècle il faudra, mais qui vous dit qu'il n'y aura pas un changement transitoire totalement différent, avec des gens qui vont s'entraider les uns les autres, et ce sera ça la nouvelle mode. C'est d'aider son prochain parce que lui souffre et toi tu peux le faire. Et je crois que dans toute révolution, il y a toujours de grands changements. Et c'est les grands changements qui nous font aboutir certaines fois, et la plupart du temps d'ailleurs, à de grandes réflexions, et notamment en l'occurrence à des réflexions qui viennent non pas d'un système lié au capitalisme, non pas d'un système lié à la taille de ton portefeuille, mais un système lié à la taille de ton cœur. Et la différence, elle est énorme. Et c'est pour ça que je vais continuer dans cette direction. Et coûte que coûte, les rageux, les parageux, les gens qui y croient pas, les gens qui y croient, coûte que coûte, on continue ensemble, on s'acharne ensemble, on avance ensemble parce qu'on a la conviction que c'est bon. Et quand tu sais que fondamentalement ce que tu fais c'est bon et que ça peut aider les autres, et ben c'est là justement où tu vas te mobiliser au maximum pour faire le maximum de bruit. Contrairement, et je pousse un coup de gueule maintenant, contrairement à nos politiciens qui te font croire quoi? Ils te font croire qu'ils bougent parce qu'eux-mêmes font les choses. Foutaise, ils le font totalement par pur intérêt personnel, égocentrique, collectif à une société qui meurt aujourd'hui. Et cette société, elle est arrivée à un nouveau monde, à un nouveau souffle. On va plus rentrer dans cette dimension-là, c'est terminé les enfants. Maintenant, la nouvelle société qui émerge aujourd'hui, c'est la société de l'humain, c'est la société de l'empathie, c'est la société de la solidarité, c'est de la société, c'est de le mec crève la dalle, je vais l'aider et je le sors par la main.
Ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'authenticité. Écoute bien ce mot qui s'intègre en toi, l'authenticité. Et je sais qu'il y a des milliers de personnes qui sont dans ce cas de figure, qui sont extrêmement authentiques, qui ont envie de faire les choses, qui ont envie d'aider son prochain. Mais vous savez pourquoi ils sont paralysés ? Parce qu'ils sont dans l'instinct de survie, parce que la société leur fait croire que, et leur impose aussi que, démerde-toi avant d'aider les autres. Survis-toi déjà avant d'aider les autres. Et c'est pour ça que je peux comprendre totalement les gens qui ignorent les sans-abri, les gens qui ont peur de les aider, les gens qui pensent à eux avant de penser à son prochain. Normal ! On vit dans une société qui nous matraque toute la journée. Comment veux-tu penser à l'autre alors que toi-même t'es en mode survie ? C'est pas possible ! Je veux dire, au bout d'un moment, c'est impossible ! C'est inconcevable ! Et c'est pour ça que je conçois que ces personnes-là ne peuvent pas faire plus qu'est-ce qu'elles font pour eux-mêmes. Mais la question qu'il faut se poser, et qui devient majoritairement indispensable à notre équilibre, c'est si maintenant je peux aider, m'aider moi-même, si maintenant je sors de cet instinct de survie et de ce mode sécurité, si je peux le faire moi, je peux aider quelqu'un. Si aujourd'hui j'ai plus la pression sociale, la pression financière, la pression d'être quelqu'un dans cette société, d'être un mouton parmi tant d'autres, si j'ai plus cette pression, je peux aider mon prochain. Et ça nous ramène maintenant à nous dire, suis-je dans l'action ou l'inaction face à l'instinct de survie ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais parler de cette vidéo. Certes, ça n'a pas abouti, et je me le cache pas, et c'est pas grave, je suis pas là pour me valoriser, je suis là justement pour créer un mouvement, et le mouvement il se crée et il avance ensemble. Coûte que coûte, on a survécu à des guerres, on a survécu à des batailles, on survivra encore, parce que quand le leader d'un mouvement sait que ce qu'il fait c'est bon, n'importe quelle situation et n'importe quel problème qui peut lui arriver va le surmonter. Et c'est mon cas, et je suis fier de le dire. Et je suis fier de le dire avec un grand sourire, tu vois, parce que je le ressens tellement fort. Et je sais que c'est tellement bon pour toi, tellement bon pour l'humanité, tellement bon pour ce qui va venir dans les générations futures. Donc, on s'accroche. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un.